Et Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Dragan et on se retrouve donc pour la suite de Silent Hill 2 Remake. Dans le dernier épisode, on a affronté notre premier boss qui était le cher Pyramid Head. Ensuite, bon, on a fait la rencontre de la gamine. Et bien sûr, la rencontre de la belle Maria. Et maintenant, cric de garage. Donc ça, on l'a vu. Sans, par contre, on est ressorti. On a pris le portail, on est sorti. Pour récupérer quoi, au final, peut-être le cric. On verra bien si on peut récupérer le cric. Il y a un truc qu'on aurait dit dans la voiture en jaune, non? C'est le but. Ah, ça pique cette connerie. C'est le but. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Ah, par contre, ici, il y a une petite maison. On va juste regarder, mais il y a l'air de rien avoir. Surtout qu'il faut se fier à la petite teuté de James. Si on aurait pu rentrer dans la maison, ça m'aurait étonné. De... une bouteille cassée. On aurait dit. On peut pas passer dans la maison? Y'a pas moyen de gruger de passer dans la maison? Non. Oh, on aurait pu, on aurait pu. Is everything all right? I... Yeah, it's just this place just gives me the creeps. I'm not sure why. You ever been inside? I'm not sure. It does feel familiar somehow. Like a bad memory. It's nothing, really. Alors c'est bien, on peut interagir avec elle. On peut interagir avec Maria. Alors, je m'en souviens plus si dans l'original c'était le cas. J'ai plus du tout souvenir, je vais pas vous mentir. J'ai plus de souvenir si on pouvait interagir avec elle. Mais c'est pas grave. James. 3 years. That's a long time. What will you tell her if when you find her? I love her. Oh, then. Lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, 3 years is a long time. Ah bah oui, 3 ans, c'est long, hein. Surtout qu'après, il reçoit une lettre, ce qui n'est pas normal. Donc, tout à fait, hein. Et surtout qu'après, il est prêt à y retourner à Silent Hill pour aller la revoir. Ouais, elle est chanceuse, hein. Bon, n'importe qui de sensé, il serait retourné pour la personne. Je comprends complètement James, hein, de vouloir y retourner pour elle. Hein. Je crois qu'il faut que je m'habitue à te voir tout détruire. Ah bah oui. Pas le choix, hein, si on veut récupérer des petites munitions, ça peut être très important. Ah, non, je voulais essayer d'escalader autour, mais on peut pas. Au-dessus, on peut pas. Ah, on entend un moteur par contre là. Et je crois qu'elle regarde de ce côté-là, non? Elle regarde pas du côté du moteur, Maria? Ça se trouve ici par contre. Ouais, il y a une voiture là. Donc à mon avis, on va devoir passer dans les alentours. Il y aura un chemin pour y aller. Obligé. Ah bah oui. Strange. This should not be here. Well, it is. So, what now? Now we look for another way.
Il a pris une nouvelle arme, hein. Il a enfin pris une nouvelle arme. Ça, c'est cool. En équipant, maintenant, on a un tuyau en acier. Je regarde s'il n'y a rien dedans. Ok, nous, on est passé par là. Ah, il y a un ennemi en face. Ah, mais il y a le brouillard qui s'affole. C'est pas normal, là. Faut peut-être suivre la petite bestiole, là. Non, non. Est-ce qu'il y a peut-être des chances que ça, ça fait un peu plus de dégâts, en final? Ok, il va falloir fuir. Malia. Il faut fuir, ma belle. Suis-moi. The fog. The fog lag. Mon ami, c'est là qu'il faut aller. Dans la maison? Pas dans la maison. Dans cette maison, on dirait. Non. Ah, dans les jambes, elle a souffert. Dans les jambes, elle a souffert. On aurait dit. Par contre, faut passer où? Ah, faut passer là. Ah, on est revenu en arrière. On est revenu en arrière. Je sais pas si c'est bien. Ah, je l'ai pas vu, il est au sol. Petite merde que tu es. Alors, j'ai vu les jambes au dernier moment et je me suis dit, ah. Ouais, normal que sa faiblesse, c'est les jambes. Il tient sur deux jambes, le truc. Normal que c'est sa faiblesse. Par contre, donc on n'a pas trouvé le bon chemin pour s'enfuir. Il le termine au... Il le termine comme ça. Allez, bah allez, tant qu'on en a buté, autant tous les buter un par un. Allez, crève ta mère. À moins qu'il fallait passer par là. Non. Alors, faut savoir qu'en plus, ça met pas pause quand on fait ça. Donc, il faut faire vraiment attention. Ok, là, ça donne rien. Bon, Malia, on va de nouveau aller ici. On va tout fouiller. À mon avis, on a dû louper un truc, hein. À moins qu'on doit rentrer dans la maison en cassant. Non. Mais là, par contre, de nouveau le brouillard s'agite, hein. Il s'excitouille d'un coup, hein. Il y a un brouillard qui s'excitouille. Je vais pas te mentir, hein, mais logiquement, c'est pas bon signe. Attends, est-ce qu'il aurait dû aller tout droit? Non. Ah. En fait, il fallait bien fuir. Mais il fallait passer par là. Là, il y a quelque chose qui va sortir de la porte. Oh, je m'attendais pas à l'avoir ici, elle. Et au final, eh ben, elle était là.
Regardez-les comme il était. Je lui ai tiré dans ses jambes, c'est bien ce que je pensais. Tout à l'heure, quand je lui ai tiré dans la jambe, il a pas aimé. Et vous avez vu, il était statique, hein. Oula. Il était statique. Ah, elle nous dit de passer par là. Par la clôture, t'es sûr? Bah, let's go. Le brouillard n'est plus excité. Il n'est plus en mode excitouille. Ce qui est déjà une très très bonne nouvelle. Mais c'est cool, on a échangé notre arme en bois contre une arme en métal. Ah, on l'a vu d'où elle l'a sorti, hein. Oh, la sortie, c'est clé, hein. Vous avez tous kiffé, hein, vous qui avez regardé la cinématique, hein. Vous êtes comme moi, vous avez dû bien kiffer, hein. Une petite picouse, ça fait plaisir. Ah, cet endroit, bah oui, très connu, hein. Ouais, à la base, on ne visite pas autant. Dans mes souvenirs, il n'y a pas autant de choses à voir. Ah, une photo, là. Ready to kill it? Prêt pour tuer? Ah non. Prêt à cartonner. Ah, bah mon anglais, il est complètement à chier. Maria? Hello? Elle se prépare. Elle fait sa belle. Elle se prépare. Oula. Avec les mannequins. Ça peut te mettre dans une ambiance de malade. Ok. Ah. Bah voilà, on récupère pas mal de soins. Ah, le bar est là. Oh, c'est beau. Rien que avec les lumières, ça fait... Le peu de lumière qu'il y a, c'est joli. Paradise. Exactement. Je suis au paradis. Maria? What? Come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? Is this the special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again, now that we're here, can't we stay? Just for a little while. Catch our breath before we head back out there. I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just,
This place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to. I guess this place is getting to me, too. Am I crazy? You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. Well, that's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. No? You sure? Fine. Be that way. Here's two. To hope undying. We should probably get going. Fine. Ready when you are. Ah, on pourrait dire qu'il peut plomber l'ambiance en mode « Non, mais je veux pas boire, je veux retrouver ma femme. » Ce qui est compréhensible. Hein. Objet trouvé. Ah, ça, c'est tous les objets trouvés. Et non, ici, je m'en souviens qu'il y avait un truc où on y reviendra. Mais aussi, je suis en train de me dire... Is that you? Oh ? Even Night avec Maria. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Waouh. Ah oui. Et on peut le comprendre. Complètement, on peut comprendre... Maria, tu peux me faire un truc? Tu peux nous proposer un bon truc? Et non, franchement, c'est cool. Et dans mes souvenirs, il y avait un truc à faire à l'intérieur de ce bâtiment. Peut-être plus tard. Et dans mes souvenirs, il n'y avait pas une sorte d'extension qui est sortie plus tard, pas la première version PS2, mais la plus tard qui est sortie une autre extension avec un scénario où tu jouais Maria. Bah, je vais y aller maintenant. Ah bah c'est bon. Let's go, Maria. Je la trouve cool, Maria. À la guerre comme à la guerre. D'accord. Une borne d'arcade qui traîne juste derrière. Ok. Oh. L'hôpital de Brookhaven. Ah, je m'en souviens de l'hôpital. Oh putain, je m'en souviens. Ah, il y en a, ils vont pas kiffer. Ah, il y en a, ils ont pas kiffé à l'époque. Et il y en a qui vont toujours pas kiffer. Non, attendez, moi je passe par où là? Parce que ça se trouve ici, il y a un passage, ou ça se trouve, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de passage, à moins qu'on peut ouvrir.
Moi ou j'ai vu un truc à travers? Ok, non mais c'était moi, on a vu un truc qui est passé à travers. Bon, ben let's go, on va avancer, on n'a pas le choix. Hein. Malheureusement, no choice. Hein. C'est, franchement, hey, le jeu il est vachement beau. Hein. Pas de soucis. Laisse-moi juste regarder s'il y a des trucs à trouver dedans. Est-ce que là on est passé par là? Je ne crois pas qu'on est passé par là. Non, parce que j'ai pas cassé la voiture là. Pour voir s'il y avait quelque chose dedans. Non, il n'y a rien dedans. Ah, on peut passer là. On peut passer ici. Y'a rien dedans. Déjà, il a marqué que l'on pouvait pas passer plus loin là-bas. Donc, ça veut dire que là, c'est mort. Et là, la route est complètement bloquée. Ouais, ça est lentille, c'est bizarre. T'as des routes qui sont cassées. Simplement. Merde! Ah! Ben. Je suis passé dans un endroit où il fallait. Il y a un peu plus à ça que ça. Si vous le dites, je ne pense pas que j'ai été ici avant. Come on, elle est juste around the corner. She? There's a story told around these parts, kind of a local legend. It tells of a woman who was cast out, sentenced to die on an island out on the lake. There was a man in town who fell madly in love with her. And every night, he would sneak out, row across the lake, bringing her food and company. And every night, she would stand there on the shore, holding a lit candle to help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey.
It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Come on. Ça, c'est la gamine. Obligé, c'est la gamine. Là, vu le cri, je crois que c'est le cri de la gamine. Elle va être en danger, on va devoir la sauver. À tous les coups. Où elle m'amène, là? Je crois qu'elle dit qu'elle vient de l'intérieur de quoi? Du cinéma, j'ai cru lire? Non, j'ai du mal lire. J'ai mal lu, hein. C'est obligé. J'ai cru qu'on pouvait ouvrir là. Ah, là, non? Alors, attends. On peut passer là? Non. Là, bien sûr, c'est fermé, ce qui est complètement logique. Quoi? Laisse-moi faire... Laisse-moi tranquillement chercher. Mais c'est impossible. De toute façon, si on peut aller là, c'est qu'il y a un passage là. Ça se trouve, un petit passage pour se faufiler par terre. Ou un mur à casser. Il y a un mur à casser, c'est obligé, non? Ah, mais j'avais pas... Vous voyez, tellement que c'est subtil, hein, comparé à Resident Evil ou... À Resident Evil te donne toute la soluce. You okay? Yeah. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. And James? Yeah. Be careful in there. Yeah. Ça va aller. This is boring. You didn't seem bored a minute ago. Screamed your head off, didn't you? You should have seen your face. I told you. It was this big rat. It jumped right at me from under the seat. You would have screamed too if you saw it. Hey. Did you hear that too? Eddie et la gamine, ils sont là. C'est vrai, on les rencontre à ce moment-là. Mais le cinéma, il est pas aussi grand. Le cinéma, il est pas aussi grand à explorer. Il y a pas autant de choses. Enfin, il est pas, ouais, il est pas aussi grand. Ouais, voilà, déjà de 1, on n'a pas des toilettes, hein, à visiter. Ah, ça c'est Eddie qui a... Regardez, ça c'est Eddie. Quand il a posé ses fesses, il a cassé les chiottes. Ça c'est Eddie, ça. Il sait pas se retenir, le gars. Hein. Moi je sais qu'il est coupable, hein. Me dites pas. Mais non, c'est pas lui, on sait que c'est lui. On sait que c'est complètement lui qui a cassé. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah bah, encore Eddie. Il avait une grosse envie. Hein. Coquinou. Hein. Casser les boîteurs en 2-2. Donc, mon avis, il va falloir qu'on passe par la porte pour aller trouver les deux zigotos. Ils sont ici. Voilà. Là, on voit déjà Eddie. La gamine, on la voit pas. James, we
met back at the apartment building. Yeah, I remember. I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. At least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Well, that's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Ça confirme encore plus que c'est Eddie qui a tout cassé. Ah, mais il est là, oui. Who is that girl, anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. Ok, il connaît que le nom de Laura. Donc, il faut retrouver maintenant la... Elle va nous mettre un truc à l'écran, vous pensez? La choper, la gamine. La choper, lui mettre une bonne claque sur les fesses, et puis voilà. J'ai peur qu'il y a des monstres, mais normalement, on est plus actuellement dans Silent Hill. Hein. Enfin, quoique, si, on a eu des monstres, donc si. Elle est pas là. Elle est pas là, la Laura. Ah, c'est barré. Elle s'est barrée, la petite gamine. Voilà, c'est de renouveau barré. Cette vilaine là. Cette vilaine gamine, il s'est encore barré. Elle cherche les ennuis, hein. Elle veut une petite correction. Ah, elle est passée par là. La porte est entrouverte. Elle est passée par là, la gamine. Maria, did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way. We can still catch her. Direction l'hôpital. Exactement. Rien d'étonnant. Alors par contre, c'est vrai que les moments où l'ambiance où il y a le fog, donc le brouillard qui s'excite là d'un coup, je trouve ça vraiment cool, le fait que le brouillard s'agite. Oui, elle est là, juste devant. Atteignez l'hôpital de Brookhaven. Bah bien sûr, easy mon pote. Et c'est là que ça va devenir vraiment cool. J'adore cet endroit. Enfin, dans l'original, je le kiffais. En tout cas. Oh ! Cartouche de fusil à pompe. Ah ! Ouais, pourquoi il y a des armes dans un hôpital ?
Donc ça veut dire qu'il est quelque part. Bon, là à côté, normalement, il y aura logiquement. Voilà, la map, que j'allais dire, et le point de sauvegarde qui serait pas loin. Mais elle s'est barrée, la gamine, hein. La vilaine gamine, hein. Elle s'est barrée. Donc là, on est dans le hall de l'hôpital. Je regarde juste un truc. La réception. On pourrait, à mon avis, je pense, aller dans la réception. Obligé. Bon, déjà, c'est cool. On peut trouver des balles de fusil à pompe. Ça veut dire que... Eh ben, on va potentiellement pouvoir en trouver un. Suite à plusieurs pertes de clés, désormais, il faudra les mettre dans le casier à la fin de chaque service. Le personnel devra mémoriser la combinaison du cadenas et ne devra le révéler à personne en dehors des employés autorisés, quelles que soient les circonstances. En cas de problème, contactez l'infirmière en chef dans la salle de soins numéro 3. Salle de soins numéro 3. Au moins, il l'a mémorisé. Ce qui est cool, c'est que franchement, il a une interaction de ouf où il note vraiment, vraiment tout. Voilà, là on y est avec... Avec le point de sauvegarde. Il faudra trouver donc la combinaison du code. Donc on fera ça lors du prochain épisode, les amis. Bon. Eh ben les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine pour la suite de Silent Hill 2 Remake. Allez, ciao, ciao, Mina.